Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, on est dimanche, samedi, pardon. Je me suis levée, il était 7h30. Donc là, ce que j'ai fait, c'est je me suis lavée, j'ai mangé quoi, le petit déj en gros. Et j'ai fait mon trait d'eyeliner, comme ça c'est fait. Et là, je vais faire mon teint. Parce qu'en fait, je vous explique, j'ai plein d'habits chez mes grands-parents. Donc ils sont tous chez moi, donc du coup il faut que j'attende ma mère pour qu'elle vienne me donner mon linge. Walibalou. Donc aujourd'hui ça va être marché au plus Grand Littoral et je dois aller chez Primark en plus. Donc c'est cool, je dois aller où? Je vais essayer de vous poser là parce que... voilà mon... Là où je me maquille, chez mes grands-parents, on a fait du rangement, tout ça. Donc là, vous voyez mes deux palettes. Je voulais en commander une autre. Soit la dernière ou l'avant-dernière de chez Anastasia Beverly Hills. Mais le code promo n'était pas bon, j'ai rien compris. Enfin bref. Donc du coup, je vais utiliser cette crème-là en fait pour le visage. Ensuite, ça pour base de teint. Ensuite, je vais mettre mon préféré, c'est Lunote. Ma poudre de chez Kiko qui est juste hyper bien, mais elle est vachement poudreuse. Donc, si vous la prenez, faites attention parce que la poudre, elle s'en va pratiquement. Et je vais prendre ça avec... j'arrive à l'ouvrir bien sûr. Bref, il y a l'highlighter, le bronzer et le blush, pardon. J'ai fait mon trait d'eyeliner avec celui de chez Makeup Forever. Lundi, il faut que j'essaye celui-ci. Non, celui-ci, c'est bon. De chez NYX, mais le violet, je ne l'ai pas encore testé. Donc voilà, je vais juste me maquiller quoi. Donc c'est parti, là je vais vous montrer en gros ma routine make-up. Mais bon. Dès le matin, tu vois, tu te réveilles. T'es pas réveillée. La merde. J'ai pas de miroir donc du coup je vais faire avec mon téléphone. D'ailleurs, il faut que j'en achète un tout à l'heure à Primark. Ensuite, je prends une note. D'ailleurs, faut que j'achète des pinceaux parce que celui-là, il commence à mourir. Je sais pas si j'achète chez Kiko ou chez NYX parce que chez NYX, ils sont trop bien leurs pinceaux. Ah merde, j'ai oublié de mettre la base de teint. Bon, bref, c'est pas grave, je mettrai celui de chez MAC à la fin. Tu vois tellement que t'es ailleurs, ben tu niques tout ton maquillage. En plus, cet après-midi, j'ai la demande qui va venir et tout à la maison. Parce que mes grands-parents, ils sont venus du bled la semaine dernière et du coup, mes tantes, ils pouvaient pas trop venir dans la semaine. Donc du coup, c'est aujourd'hui qu'ils vont venir. Bref, lundi la reprise des cours. Ça va être chaud. Bon, ça va, je commence à 9h. Heureusement. Bon, déjà à la base, je fais 8h30, 16h30, il me semble. Donc, c'est cool. Mais là, c'est exceptionnel que je commence à 9h. Et cette semaine, genre. On n'a pas cuisine, on commence la cuisine que la semaine pro, enfin mois d'octobre, quoi.
Là, c'est, ça va être juste par rapport à l'hygiène. À l'hygiène, à quoi? Cours d'anglais, etc. Parce que, en fait, à la base, on devait aller aux USA à la fin du diplôme. Pendant 4 semaines, et genre, les gens, ben, ils préfèrent les USA que les cours, en fait, tu vois. Et du coup, ça nous a pénalisé. Et du coup, ben, on n'a pas de voyage. Donc, je suis un peu dégoûtée parce que pour moi, ça aurait été une expérience de malade. Même pour marquer sur mon CV que je suis allée aux États-Unis travailler, tu vois. Et au final, ben, on n'y va pas. Donc, je suis un peu dégoûtée. Peut-être qu'ils vont le faire pour ceux qui sont vraiment motivés, tu vois. Mais, voilà. En plus, c'est dans mon ancien CFA, c'est super. Je vais revoir tous mes anciens profs. Comment vous dire que je me sens pas? En fait, la formation, elle est vraiment intense. En fait, on a 40 jours de. Ça bouge et. Casser à tout moment. Bref, en fait, on a 40 jours de pratique. On n'a qu'une seule. On n'a que l'anglais et la communication en matière générale. Parce que voilà, c'est la cuisine, quoi, la base de chez base. Et du coup, on a des stages de 15 jours. Et après, on a notre diplôme. On a de la pâtisserie aussi. Ce qui est cool. Voilà. Bon, là, je mets ma poudre de chez Kiko. Vous voyez qu'elle est. Pas qu'elle est. Enfin, elle est nulle, mais genre, en fait, elle est vachement poudreuse. Et ça m'en fout. Donc, voilà. Donc, que je remette la tenue de l'uniforme. Là, il faut vraiment que j'achète des pantalons plein de trucs parce que j'ai hyper grossi. Mais vraiment grossi quoi. Voilà, ça, la poudre, c'est fait. Maintenant, on va passer au bronzer. Je fais pas de contouring, en fait. Je prends juste celui-ci de chez Benefit, d'ailleurs, qui en a plus. Mais heureusement que j'ai celui de chez Zebul. Moi, je suis déjà maquillée parce que des fois je mets 100 ans pour me maquiller. Au moins, j'aurais qu'à me changer. Et tout, et tout. C'est nickel. Donc là, je vais prendre ce highlight. Voilà. Des fois, je le mélange avec celui de chez MAC, mais le de chez MAC, il est chez moi en fait. Donc, du coup, j'ai voulu prendre celui-là parce que, en fait, voilà, il est pratique, tout simplement. Avec mon petit pinceau de chez Primark. Si je trouve des trucs de chez Primark. Maquillage et tout, je sais pas si je prends ou pas parce que j'avais acheté un fond de teint, je n'ai même pas essayé depuis. Il faut vraiment que je l'essaye.
ça va, tu vois, j'ai un petit miroir. Du coup, ça passe quand même. En plus, j'ai plus beaucoup de boutons, donc c'est nickel. Bref, ensuite, je vais mettre le petit truc de chez MAC. D'ailleurs, il faut que j'en achète un autre parce qu'il va bientôt se terminer, quoi. Et voilà, mon make-up est terminé. Bref, je crois que j'ai trop mis de bronzer. Bon, c'est pas grave. Bref, je vous retrouve tout à l'heure. Bisous. Re tout le monde, donc là il est bientôt 10h. On a presque fini. Enfin, moi je suis dans la voiture parce qu'il fait tarpé froid dehors. Et j'aurais dû amener ma veste en fait. J'ai pas écouté ma grand-mère. Je suis dégoûtée un peu. Désolée, il y a du soleil dans la voiture. Et du coup, on a presque fini. En fait, elle va acheter que la viande. Et quelques trucs genre pois chiches et tout, enfin voilà quoi, le délire. Et ensuite on va au Grand Littoral pour faire les courses. Je dois aller chez Zara parce que j'ai plus de vêtements, j'ai plus rien, parce que comme j'ai trié mon armoire, donc du coup ben j'ai tout jeté, mes vêtements qui me vont plus. Et normalement, on doit aller au centre bourse parce que comme mon ordinateur n'est pas... comme j'ai plus d'ordinateur. J'ai plus d'ordinateur et du coup, ma mère, elle a donné une fausse adresse email. Elle s'est pas rendue compte. C'était pas son adresse email parce qu'ils ont changé. Du coup, elle a donné l'ancienne adresse mail. Et du coup, on va aller voir parce que sans ordinateur, c'est vraiment chiant. Mais vraiment, genre, j'ai l'iPad, mais genre, comment vous dire, c'est encore mieux sur l'ordinateur, quoi. Parce que les montages et tout, les vidéos, j'ai fini hella de vidéos en Algérie et tout, tu vois, et j'ai envie de les poster, tu vois. Et j'ai fini avec ma petite GoPro en plus de ça. Donc, j'aimerais bien savoir si c'est OK qu'ils me l'ont réparé ou quoi. Parce que, en fait, c'est une fissure, et du coup, ben, de l'écran. Et normalement ça coûte 350 € chez Apple et du coup on va aller voir ça tout à l'heure. De toute façon je ferai un petit ma petite journée quoi. Là j'ai vu mon voisin mon palier en fait et du coup ils ont terminé. Et ma mère, ce qui m'énerve, c'est que voilà, à la boucherie tout le monde nous connaît, donc du coup elle est obligée de parler avec sa pote. Bref, voilà le temps qu'on perd, tout ça parce qu'elle parle avec sa pote. Donc là on va faire les courses. Je dois aller chez Emma comme je vous ai dit, parce que ma mère elle a besoin de cahier et tout, moi aussi j'ai besoin d'une trousse. Voilà voilà quoi. On doit aller chez Primark et le monde de fou à Primark, c'est horrible. Et Emma, Zara, HM si je trouve des trucs et tout, et chez Undies parce qu'il me faut des pyjamas. Voilà, donc je vous laisse et je vous dis ben à tout à l'heure au Grand Littoral. Bisous. Salut tout le monde, donc aujourd'hui on est dimanche. Il est 19h25. Hier, je n'ai pas vlogué parce que, en fait, je vous explique, j'étais en famille. Et du coup, ben, j'ai pas voulu vloguer tout ça, quoi. Parce que, comme je vous ai dit, la famille de mon grand-père sont venus voir mes grands-parents. Donc, du coup, ben, c'était un moment familial. Donc, du coup, c'était hyper bien et tout. Donc, voilà. Aujourd'hui, enfin, j'ai remis mes anciennes lunettes.
On les a fait réparer, donc tant mieux, parce que ceux-là, les rouges là, ils m'ont gonflé de chez gonflé. Bref, du coup, j'ai pas filmé aussi le magasin parce que il y avait pas trop de monde en fait. Hier, j'étais choquée, genre d'habitude, j'ai la demande et tout, Grand Littoral, et là, franchement, il y avait presque des gars, même à Carrefour, même il y avait personne. Donc du coup c'était cool et ensuite on est parti à au centre bourse en fait pour voir pour mon ordinateur. J'ai pas envie de brûler avec les plaques, merci. Pour mon ordinateur et en fait ils sont bien rigolos ceux de la Apple. Pour une fissure, bon la fissure elle est quand même hard, 800-900 euros. C'est vraiment cher, de chez cher. Et du coup vu que j'aimerais acheter un nouveau Mac, pas comme le mien parce que malheureusement il n'y en a plus, j'aimerais acheter le nouveau et du coup ben il me reste vraiment beaucoup de sous dans la carte Fnac et du coup demain ma mère faut qu'elle appelle Sofinco pour voir si on peut m'augmenter le plafond, comme ça moi j'achète un nouveau parce que franchement 900 euros, tant qu'à faire, j'en achète un autre quoi. Donc du coup ça m'a un peu gonflé, tu vois, donc voilà. Donc du coup après, comme je vous ai dit, il y avait ma famille, etc. Donc du coup j'ai pas trop vlogué. Et aujourd'hui je suis allée aux terrasses et du coup ben... Bon, déjà de une, il fallait que je m'achète des pantalons de cuisine, donc du coup, je suis allée dans un magasin spécial. Et ensuite, je suis allée aux terrasses, j'ai fait Zara et H&M, c'est tout, parce que voilà, Zara pour me trouver des pantalons, parce que vu que je dois remettre l'uniforme, c'est super. Donc du coup, il me fallait plein de pantalons, parce que j'en ai en plus, j'en ai plus du tout de pantalons. Donc voilà, donc là j'ai fini mes. Enfin, j'ai presque fini mes plaques. Voilà. Mais il me reste que le derrière à finir de mes cheveux, tellement qu'ils sont longs. Non. Et ben j'ai déjà préparé mes affaires. Ben, il ne me manque plus qu'un haut à prendre. Et j'ai préparé mon sac aussi, parce que je commence à 9h demain. Je ne sais pas à quelle heure je finis. J'espère que je finirai un peu plus tôt, genre vers 3h ou 4h, tu vois, parce qu'en fait, si je finis à 16h30, je dois attendre ma mère une demi-heure dehors. Et moi, j'ai pas envie, en fait, tout simplement. Donc, du coup, j'espère que je vais finir un peu plus tôt, comme ça, je rentre un peu plus tôt à la maison et ensuite, j'irai travailler. De toute façon, je vous filmerai... ce vlog de la rentrée, je sais pas si ça va être à la suite ou pas, je pense pas, je pense que ça va être un nouveau vlog demain. Faut vraiment que j'achète une caméra quoi, c'est chiant. Bref, en plus de ça, ce soir je vais pas vlogger parce qu'il y a le match OM Lyon. Voilà, si y a des supporters de l'OM, dites-moi en commentaire. Et oui, je vous ai pas montré ce que j'ai acheté chez Body Minute. En fait, il y avait une promo et du coup, j'ai acheté des produits à 14 euros au lieu de 30 euros parce que je suis abonnée à Body Minute. Et du coup, j'ai eu des produits. Je vais vous montrer ça. Alors, je me suis pris. Une crème matifiante peau à mixte à grasse parce que ma peau elle est mixte à grasse. Du coup je le mets quand j'ai fini de me démaquiller tout simplement. Ensuite j'ai pris un gommage visage pour la peau. J'ai hâte de l'essayer la semaine prochaine en fait parce que je me sentais pas de l'essayer aujourd'hui. Et j'ai pris une lotion démaquillante. Franchement, j'aime bien celle-ci. J'ai déjà en mini format en fait. Et du coup, franchement, j'ai trop aimé.
Et c'est comme ça, mais je sais pas si c'est au lait, enfin, je sais plus. Enfin bref, je vous expliquerai dans une autre vidéo si elle est bien ou pas. Et en cadeau, j'ai eu cette petite trousse de Body Minute. Voilà, voilà. Donc pour demain, je crois que je vais mettre que de l'antiserre. Voilà, parce qu'il tellement qu'il fait chaud. De la poudre. Et mon highlighter. Voilà, voilà. Comme ça, demain, c'est fait. Et le bronzer, il est là-dedans. Putain, je voulais trop... Ah oui, j'ai commandé tout à l'heure la palette Makeup Revolution. Que tout le monde en parle. Genre que c'est... une youtubeuse qui travaille avec cette palette là et du coup j'ai vraiment hâte de la recevoir. Je viens de capter que j'ai un bouton, mais bref, du coup je la reçois mercredi. Je suis trop contente parce que je la voulais depuis cet été en fait. Et comme il y a un monoprix aux terrasses, et du coup tout à l'heure je suis allée pour voir s'il y en avait. Et du coup, il n'y en avait pas. Donc, du coup, ça m'a coûté 14 euros en fait, la palette. Donc, je vais vous dire ça mercredi. Voilà, et je vous dis ben, à bientôt. Bye bye.